On a essayé, essayé et encore réessayé pendant 2 semaines de sauver notre maman. On a encore essayé, encore et encore. Mais finalement, la maladie a eu raison de nous. C'est quelque chose qui arrive et qui arrivera à tout le monde. Tu n'es pas mort. Tu as cessé simplement d'être visible. Dieu a donné, Dieu a repris. Adieu. Merci. Internaute, abonné news ou ya Dimbanza London TV, tout Pessibino. Merci de toi, Ibsa Gibino, qui vous a branché. Ça, c'est Gali Garveil, Oyo, à où tu perdrais sa maman biologique. Merci, vous avez une image d'engue. Merveille, Azo, balancer les bino, image. C'est triste, mais ne rien à l'oubarana, vous bêta, c'était la boutique à thé. Bah, musicien à Congo, tout tika mouté, maman, parce qu'il a commis sur le terrain, mais à part Landry japonais, représentant à Kofi Olomide. Na moni nanga misye mokote ya Congo na ebiti. Est-ce que bayagi na simananga ou bien liboso nanga? Mais je pense que merveille azo balancer ba image. Bozo mona comment corps et telemi. Bozo mona comment batu bake ko sala dépôt ya ba jambe de fleurs. Oyo ezayi vraiment na corps ya disparition pardon ya maman na biso. Oyo ya beauté la biso artiste Gali Garveil mais et ça la ramwa pas si makasi. To mona gina makambo faire ego la bo weli si parce que bozo luka. L'actualité nabino bozo luka ba succès nabino nera ezala ka banini mais deuxième fois déjà yango chaka kongo to uti ko lela ekaka awa place to leli mama ya Gali Garveil mais et sali moi ma makasi vraiment de Mbanza London TV trésor bolembo na koma ki wana na Denis Merveille pour na koyeb sabino ke eza pas si pour la ministère ya Congo eza vraiment pas si makasi Gali azo kende azo accompagner corps ya mama ake ko tika mama. Parce que les lois derniers jours ou bien, au bas on rendrait dernier hommage naie et ça lui passe ma casse vraiment bas congolais tout soigné. Dans le bagage on a tikaté, boya qui belé belé la magambo ya fait rigole parce que boya bah il qui actualité zakuna et go salabine. Nous on se la paix fallit pour pas, bon dieu mais là n'a pas polémique parce que dans autour on a misère moko a fini fait rigole fort et ça genre la bino. Bah misère sous bah fini qui fallit. Bah Michel Msouba comment finir à faire rigoler parce que fallait à cette date mais la macambo ya boyne photo zalak mais bisoka kané botchaka biso misapi metoya kawana kaka pour la redévoiler bah secret pour la roloba ma ben abino bato na soloka na gotika té na continuer toujours c'est trésor bolembo l'homme des antivalères en direct il y a Dembanza London TV bah abonné na biso nyoso ndenge bon mesala ko sala biso et puis ko pesa biso confiance. Là, je salue Maman Denise, Denise Nkoumou, Oyo, Azo, Azanaba, séjour, Naye, Awa, vraiment, Kalaminte, Azo, Zonga, Na, Moka, Ya, Afrique du Sud, je te salue, Wapi, Bisika, aux amis, vraiment, merci beaucoup, Na, Denis Merveille, pour Na, Ba, image, Oyo, Zo, balancé, Na, Sir, balancé, les Bango, Ba, image, comment Gali, Aza, vraiment, inconsolable, comment famille, Gali, Garveil, Baza, vraiment, inconsolable, pour la disparition, il y a notre maman et sa maman biologique, Oyo Auto Tikabisolelo. Je vous rappelle que c'est votre humble serviteur, Trésor Bolembo, l'homme des antivalères, Botika Lagara, côté branché et collé en direct. Il y a deux Mbanza London TV. Namoni Nanga Misye Morote, Namoni Gara Landry japonais. Salut à toi, notre vieux Kofi Olomide Agbada. L'homme de Molili, Oyo Batoualiniba, mais Mango Nabandenge Moussousou, parce que Ayaki ko assister. Petit naïe, moi naïe, faire rigoler le padre Oyo, a utopé Sabiso Bilengi, la musique à Congo, na Adidas Arena, parce que na moni Landry japonais, soldat d'espé, Oya représentant Kofi Olomide, a une jambe de fleurs naïe, awa dans un container, mais à part Landry, na moni musicien Mourote. Rendez-vous na Dembanza London TV, on est ensemble avec vous, je vous aime beaucoup. Big end.
pour les enfants, pour nous tous. Tu n'es pas mort. Tu as cessé simplement d'être visible. Dieu a donné, Dieu a repris. Adieu. Merci. Shalom. Calme, bonne nuit. Voici la brève biographie de Madame Antoinette Lamkosonsiam. La défunte est mon épouse. Fille de M. Joseph Lankos et de Mme Lemissa Kadima, Antoinette Lamkosonsiam, que nous plairons en ce jour, elle est née d'une famille de 5 enfants, donc 3 décédés. Née le 9 novembre 1969 à Idiofa, Madame Antoinette est originaire de la province du Kwilu, territoire d'Idiofa, du village Kasangunda, dans la collectivité de Kapia. Elle effectue ses études primaires à l'école catholique dénommée Centrale des filles, les secondaires et les humanités au lycée La Coulanza, dans la cité d'Idiofa où elle a grandi. Diplômée d'État en coupe et couture, elle décide en 1989 de s'inscrire à l'Institut supérieur des arts et des métiers ISAM en sigle, où elle ne passera qu'une année académique. Après l'arrêt de ses études supérieures, elle se marie à son fiancé, que je suis, M. Rémi Kabata, avec qui elle aura 7 enfants, dont Kabata Digo Fabius, diplômé de l'Université de Kinshasa en droit. Kabata Laetitia Guéné, diplômée de l'Université de Kinshasa en médecine dentaire. Kabata Gali Garvey, dit Gaga, diplômée de l'Université de Kinshasa en anglais et informatique des affaires, artiste et musicien de son état. Kabata Jossard, étudiant en architecture à l'ISAU. Kabata Ayuel Remine, étudiante à l'Université de Kinshasa en agronomie, option gestion des eaux et forêts, et en même temps, artiste et musicienne du gospel. Kabata Monica, élève, et enfin Kabata Berlus, élève. Femme au foyer, elle s'est montrée très attachée à son mari que j'étais, en créant avec moi deux petites et moyennes entreprises, dont une menuiserie semi-industrielle et un flat hôtel du nom de Remix Hôtel. Laissant la gestion de l'hôtel à son mari, que je suis, Madame Antoinette Lankos dirigea de main de maître l'atelier de menuiserie où elle développa la passion du bois. Toujours à côté de ses menuisiers, elle voléra de ceux-ci leur savoir-faire et leur dextérité en menuiserie et les surpassera en concevant désormais seul ses meubles. Il n'était pas rare de la voir sous un soleil ardent en train de poncer les pièces de ses meubles en fabrication ou d'y appliquer une couche de vernis ou de peinture. Elle qui a été formée en coupe et couture. Parce que femme, cela lui a valu une renommée qui entraîna une ruée de clients sérieux vers son atelier. Je citerai la BCECO, Caritas Kengi à travers le projet gouvernemental de 145 territoires, l'INPP et j'en passe. Sur le plan social, Madame Antoinette, femme très humble et généreuse, a toujours été du côté de ceux qui souffrent. Que de fois n'a-t-elle pas assisté de nombreuses familles pauvres frappées de deuil en leur fabriquant et fournissant en un temps record des cercueils à un prix dérisoire. Et d'ailleurs, une parenthèse, pendant le deuil, j'ai toujours entendu dehors des cris de femmes très pauvres provenant de la périphérie de Lemba, notamment Kisenso, pleurant en appelant ma femme Maman Bisomba Somba, parce que quand ma femme revenait à la maison au crépuscule, c'est-à-dire le soir, lorsqu'elle croisait ces pauvres femmes venant de la périphérie qui n'ont pas vidé leurs légumes ou leurs fruits, elle payait tout cela. Et ce n'était pas pour que nous puissions manger cela, mais c'était pour donner de l'argent à ces pauvres femmes pour aller nourrir
leurs enfants. Prenant son mari comme modèle dans l'entrepreneuriat, elle a été une femme très active, très fertile d'idées et une mère toujours prête à écouter, à subvenir aux besoins de ses enfants, de ses frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur a trouvé bon de reprendre son âme, que sa volonté soit faite. Et pour nous qui avons vécu à ses côtés, qui l'avons vu à l'œuvre, que tous ses actes bons et généreux restent dans notre mémoire comme un ensemble de règles de grammaire à retenir et à appliquer. Adieu, Maman Anto. Je vous remercie. J'étais censé lire un long texte, ou presque. Papa, il a pratiquement tout dit de ce qui était ma grande et magnifique maman. Elle s'appelait Anto. Et lorsqu'elle est tombée malade, elle a passé exactement 2 semaines sur le lit d'hôpital, en soins intensifs. C'était pas beau à voir. Et lorsqu'elle m'a vu, et lorsqu'elle a repris conscience, elle a fait appel à moi, elle a dit, je veux voir Gali. Je suis donc venu. Et la première chose qu'elle m'a dite, lorsqu'elle m'a vu, était Gali, narotika okimiate, ceux qui ont mis signal à l'hôpital ont été. Je lui ai dit que je vais te sortir de là. Après 2 jours, elle était encore consciente. Elle a encore fait appel à moi. Cette fois-là, elle m'a dit, Galis, si Dieu prend mon âme, je partirai fièrement. Parce que j'ai eu 7 enfants magnifiques. Et j'ai réussi durement à faire en sorte que vous tous puissiez étudier. Et cela dans de très bonnes conditions. Sur ce, elle est morte. Elle est morte. Je ne pourrai donc pas m'adresser à elle. Elle n'est pas là. Je vais faire comme si elle était en face de moi. Et dire ce que j'aurais pu dire si elle était là. Maman, merci. Merci pour ce que tu as fait de nous. Je m'appelle Gali. Je suis un artiste chanteur. Elle m'a encouragé énormément malgré tout ce que je faisais comme métier à finir les études. Une grande femme de valeur, remplie de sensibilité, très courageuse. Comme ma maman, ça n'existe pas. Elle nous a tous tenu la main dans des moments très très sombre et ombré de notre petit parcours. Elle était toujours là. Merci, maman. À mes frères et sœurs, Fabius, Laetitia, Rémine, Monica, Berlus, courage. Elle m'a dit qu'elle était fière de nous. Qu'elle partait tranquillement parce qu'elle sait qu'elle a bien éduqué ses enfants que nous sommes. Papa,
Merci. Merci d'avoir choisi une aussi magnifique maman pour nous. Je ne sais savoir dans les détails où est-ce que vous vous êtes rencontrés, mais je reste persuadé que ce Dieu lui-même a mis en votre chemin cette belle femme qu'on appelle Anto Lankos. Sur ce, merci papa. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On a essayé et encore réessayé pendant 2 semaines de sauver notre maman. On a encore essayé, encore et encore. Mais finalement, la maladie a eu raison de nous. C'est quelque chose qui arrive et qui arrivera à tout le monde. C'est triste. Mais on a fait ce qu'il fallait qu'on fasse pour qu'elle reste en vie. Elle était magnifique, extraordinaire. Plus grand corps que maman, ça n'existe pas. Elle a tout fait pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Elle a reçu la grande famille élargie dans sa grande maison à Kisanso. Que ce soit la famille de papa, que ce soit sa famille. On a grandi avec notre grande famille. Avec son grand cœur, elle a toujours réussi à faire en sorte que tout le monde mange à sa faim, même quand il n'y avait pas grand-chose. Elle n'était pas rancunière. Pas du tout. Je veux que vous sachiez que vous êtes venu dans le deuil de ma maman. Vous êtes venu dans le deuil de ma maman, c'était pas n'importe qui. Si elle était ici présente, elle se sentirait certainement honorée de voir que tout ce monde est venu que pour elle. Que nous sommes en train de faire en sorte qu'elle soit enterrée de digne façon. Elle n'est pas là malheureusement. Elle est morte. Soyez fiers de l'avoir connue pour ceux qui l'ont connue. Parce qu'elle était magnifique. Témoignez toujours du bien de ma maman. Témoignez toujours du bien d'elle. Parce que c'était une femme magnifique qui s'est énormément battue à côté de son homme pour que nous, ses enfants, patients et les moins agréables, en très grande intensité, on l'a vécu. À ma maman, la plus belle maman du monde, si elle était là, je lui dirais encore que ses enfants vont bien. Ses enfants sont forts. Certains ont fini les études. Certains vont certainement finir les études. Qu'on s'en sort très bien. On n'a pas de problème. On a un seul problème, c'est qu'elle est partie. Et que moi, son fils Gali ferait toujours en sorte que d'où elle se tient, se sente fière de moi. Merci pour cette belle carrière que tu m'as offerte à maman. Merci pour ces encouragements. Merci pour mes chansons que tu as retenues pendant tout ce temps. Grâce à ça, j'ai compris que j'avais la bénédiction et de papa et de maman. J'ai dû foncer. Sur ce, je foncerai encore, encore et encore, en mémoire de ma défunte mère, Anto Lankos. Merci à tous d'être venus. Je m'appelle Gali et je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans ces moments très difficiles. Ça fait du bien de voir que vous êtes là. À toute la grande famille de maman, courage à vous. Un baobab est tombé. Mais elle a laissé derrière elle
d'autres petits grands baobabs qui vont vous tenir la main chaque jour et encore chaque jour. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous dire que 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 je vais v